à croire que le temps s'est arrêté ou qu'il ne le voit plus passer. André Ledran occupe ce bureau depuis 31 ans et le maire au 81 printemps Briguin, 6e mandat. Les grands de ce monde se sont donné rendez-vous sur sa plage le 6 juin prochain, ce qui a joué sur sa décision. Ce n'est pas la seule raison. Je vous dis, c'est l'événement qui a été décisif au moment donné. Je pensais beaucoup, j'y réfléchissais beaucoup, et je me suis dit, tu ne peux pas laisser tomber, alors tu y vas. Il me semblait difficile de dire, oh ben, dans 3 mois, tous les chefs d'État vont venir, mais moi, je reste chez moi, je rentre chez moi. Alors en pleine campagne, évidemment, les arguments font mouche. Voici un adversaire politique du maire sortant, candidat lui aussi. Il a 42 ans de moins qu'André Ledran. Il estime qu'un mandat de plus du sortant serait un mandat de trop. C'est quelqu'un qui a énormément compté pendant 30 ans sur Ouistreham, donc il mérite tout le respect qui lui revient là-dessus. Il a beaucoup agi. Néanmoins, beaucoup de Ouistreamais estiment que ça n'est pas raisonnable, effectivement, puisqu'il y a l'usure. Je ne parle pas de l'âge, hein, je parle juste effectivement de 30 ans de gestion. À un moment donné, on n'est plus véritablement en lien avec la réalité, avec les besoins. Pour lui, l'anniversaire du Didet ne doit pas être un prétexte pour repartir en campagne. C'est un élément important pour la commune, pas forcément pour le maire qui sera élu. Ce n'est pas le maire qui est en avant, c'est la population, c'est Ouistreham. De plus en plus jeune pour prendre la mairie, cet autre candidat UMP a 29 ans et les idées bien tranchées. Je ne sais pas s'il est temps que ça s'arrête, parce que moi je me suis engagé clairement à confier à André Ledran la présidence du 70e anniversaire du débarquement si j'étais élu maire de Ouistreham. En revanche, pour le bien de la démocratie et du développement de notre ville, il faut passer à autre chose. Alors André Ledran serait-il prêt à passer à autre chose ou passer la main après les cérémonies s'il est élu, comme certains le laissent entendre? Je suis maire, je suis candidat à la mairie pour 6 ans. Là, c'est clair, net et fort. Tous les chefs d'État pourraient déjeuner à Caen ici le 6 juin. La pilule pourrait être dure à avaler pour certains s'ils devaient perdre les élections, si près d'un événement majeur.